Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Assassin's Creed Origin pour la suite de notre petite aventure. Et nous allons enquêter sur les trésors de Siwa vendus au marché noir. Que se passe-t-il dans ce marché? Et ensuite nous allons continuer notre aventure... Nous allons continuer notre chasse au crocodile. Tu veux voir un peu? C'est un faux. De qualité assez médiocre. Ça n'est pas faux. C'est vrai. Tu veux voir? Tu veux voir, gamine? Ta boutique? Oui, elle est à moi. Beaucoup de trésors uniques de Siwa, loin d'ici. Pas faux. Pas faux. Tu as quelque chose de... vrai? Je doute que ce soit tes plus belles pièces. Tu mens. Elles sont vraies. Les plus chères sont à mon campement. Je peux te conduire. C'est pas loin d'ici. Tu me suis? C'est un signe de... Bon, j'ai ma petite idée sur ce qu'elle va faire. Tu sais, on en a des meilleurs. Tu veux voir? Non, c'est bon. J'aime le mien. Tes autres trésors sont aussi des faux? Ils sont pas faux, je t'ai dit. Comment tu as su? Mes trésors ne sont pas vraiment vrais, mais pas vraiment faux non plus. Et ma mère, elle en a des vrais. J'ai un secret. J'ai été Medjay à Siwa. Les vrais trésors, je les ai vus. Oh, pas juste. Je les ai faits moi-même, tu sais. Et personne n'a rien vu. Ne t'en fais pas. Elle a du talent, du coup. Les faux sont très réussis. Je ne dirai rien. Ils sont pas faux. Je t'ai dit. Tu es vraiment un Medjay? Peut-être que toi, t'es faux. Non, c'est faux. Je te trouve bien effronté. Allons plutôt voir ce qu'a ta mère. On va suivre le canal. Elle m'emmène vers un camp de bandits, hein, on est d'accord. Hein. Je vais faire semblant. Ça veut rien dire. Ça me surprendrait qu'elle m'envoie pas vers la mort. N'aie pas peur. Tu as de la chance. Ces brigands ont encerclé sa pauvre mère. J'ai une belle épée. Tu veux voir? Parades, qui es-tu, toi? Comment ça, Parades? Boum. Oh, belle esquive. Attends, on n'est pas doué, hein. Heureusement, on est suréquipé, quoi. Comparé à notre adversaire. Pour Frost Saiyajin. Boum! 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 Madame. Prends ce que tu veux. Comme je leur ai dit, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai de nombreux trésors de Siwa. Merde! C'est pas un brigand, c'est mon ami. Merci de nous avoir sauvés. Tu dois être pour de vrai. Pardon d'avoir dit que t'étais faux. Il nous a sauvés? Alors il faut le récompenser. Nous remercions toujours les gens généreux. J'ai quelque chose. Voilà. C'est une authentique imitation de Kepesh de Siwa. C'est très rare. On n'en fabrique plus. Prends-le, avec notre gratitude. Mère, il sait déjà que... Merci. Je suis honoré. Oui, je vois. Celui-là est vraiment authentique. Il n'en reste presque plus. Puisses-tu vivre vieux et heureux. C'est vraiment un vrai ? Légendaire. Niveau 25. Elle est un peu mieux que la mienne. Ah, mais elle a malédiction. Faux Kepesh ne provenant pas, même pas de Siwa, on a veillé avec soin à ce que son prix ne revienne. Son prix de revient soit le plus faible possible, mais ses dégâts sont pourtant bien réels. Ouais, c'est la même malédiction. La malédiction est vraiment vénère. Dommage, parce qu'en vrai, elle était incroyable.
Ah, ça dégoûte, hein, ce genre de debuff. Parce que j'ai une arme niveau 25, hein, en étant niveau... niveau combien? 32. D'ailleurs, on a des points de talent, du coup. Tech. C'est dommage, hein. Bon, du coup, direction le crocodile. Je pensais vraiment que la gamine allait m'emmener vers un piège. On n'a pas eu l'œil. Il me faudrait un bateau, là-bas il y en a. Allez hop. C'est rigolo qu'ils soient encore marqués. S'ils sont encore marqués, logiquement, il n'y a pas eu de repop de mob. On va vite le vérifier. Mais dans ce cas, pourquoi ils sont pas plus inquiets que ça que leurs collègues soient morts? C'est tout. D'être prudent par ici. Voilà, plus besoin d'être prudent. Tout le monde est mort. Alors c'est vrai que t'as ce camp là. Ouais, peut-être... enfin ce camp, ce bateau. Peut-être y faire un tour, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de se mettre en chasse du crocodile. Voilà. Un blocus carrément. Un blocus de deux bateaux? Pour moi un blocus c'est plus de bateaux que ça. Hein. Pour moi un blocus c'est minimum 5 bateaux, un truc du genre, tu vois. Et ça bloque quelque chose quoi. Là ça bloque que dalle. Oh, attends. Apparemment, il y en a un autre. Bonjour. Hey. Tiens. Hey. Te voilà. Ok, il y en avait un autre à la mer du coup. Bah apparemment il est juste là en plus. On ira après. Ça fait si peu de dégâts quoi. Ah, il y a trois bateaux. Bon, c'est un peu mieux. Enfin, c'est un peu mieux. C'est un peu moins ridicule. Bien joué. J'ai la cible en vue. Voilà. Je joue pas avec mes couilles. Voilà. Bien joué. Bien joué. Ok, c'est nul.
Y a pas de aimer, mec. Montre-toi. Voilà. Tu m'as vu. Enfin, tu m'as vu. Tu m'as entendu, c'est déjà pas mal. C'est mieux que la plupart des gens. 900 XP, c'est généreux. On y va à la nage. À moi. Oh, une lance. Bah ça tombe bien, j'aime pas les dagues du coup. La lance, tac. Et on va jouer à la lance vu que mon épée commence à un peu accuser le coup, on va dire, en termes de dégâts. C'est quoi ça là? Ok, y'a rien, y'a que des lions. Une quête secondaire. On va ignorer la quête secondaire pour le moment, on va se concentrer sur la quête principale. Hein. Il a l'air d'en avoir pas mal par contre. Hein. L'arène des gladiateurs. C'est ici que le crocodile recrute les mains. Bah, oui, finis ta phrase. C'est pas parce que je m'éloigne qu'il faut pas faut t'arrêter. Je vais juste prendre le point en hauteur là. Puis on va prendre le coffre aussi. Hein. C'est juste histoire d'avoir un TP. Et d'améliorer la vision de Senu. Faut que c'est nous soit le plus grand des aigles. Il faut qu'il détecte un mec qui se cure le nez à 8 km. C'est important pour la suite de l'histoire quoi. Et s'il peut acquérir la vision dans le futur, c'est encore mieux. Bah alors Bayek. Quelle idée de sauter là. Bah j'avoue, je me voyais pas si haut si je veux être parfaitement honnête. T'as le nombre de quêtes quoi.
C'est vénère cette région. Et un de moi. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. On est trop chaud. Ah, il y en a encore un. Bon alors, c'est nous. Tu l'as pas vu la première fois? Non mais... Quelle déception, quoi. C'est toi qui es cramé, ouais. Bah voilà, on l'a trouvé vite, hein. Ça fait plaisir. T'as 450 encore. Allez, direction l'arène. Désolé pour ces petits imprévus. Cette petite dérive plutôt. L'argent. J'avoue que c'est stylé en vrai comme statue ça, le croco plus un chapeau ridicule. L'arène des gladiateurs. C'est ici que le crocodile recrute les membres de son armée. Il faut que j'en apprenne davantage. Pardon, Nebet. Tu peux me dire quel est cet endroit? Ça ne se voit pas? Tu as devant toi une arène de combat romain. Je trouve ça plutôt barbare. Mais nombreux sont ceux qui viennent dans ces lieux pour oublier leurs soucis. Jadis, c'était un temple. Pourquoi les choses doivent-elles changer? Hé, hey, Neb. Que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici? Des hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. On n'a jamais vu de guerriers aussi féroces. Ils pourraient te briser l'échine d'un coup de poing. Ah. Est-ce que l'un d'eux a les cheveux roux? Par tous les dieux, tu n'as jamais entendu parler des frères Gaulois? Tu ne sens pas leurs regards? Leurs statues sont là, derrière moi! Ah alors? Fais voir lui, non? Ouais, ils ont un style, hein. Veridovix, loyal serviteur de la mort. Sa faux s'abat sans pitié sur les faibles. Diovikos, l'incarnation du guerrier. Ses poings sont plus meurtriers que n'importe quelle arme. Le Gaulois qui se bat à main nue, quoi, c'est beau. C'est toi, le contre des mecs à l'épée. Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Qui es-tu? Encore un de ces bons à rien qui cherche à devenir célèbre? Je veux seulement entrer dans l'arène. On raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Les cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères Gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, Chameli. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, il porte un insigne de Medjay. De bah quoi oui. C'est censé m'impressionner. Tu sais te battre? Ça se pourrait, finalement, avec tes airs de... chien pelé. Non, non. J'ai déjà une égyptienne bien féroce. Une chasseresse de Siwa qui en vaut trois comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse... C'est pas ma femme. Va lui parler. Elle est près de l'obélisque à l'est. C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. C'est pas ma femme. Alors,
Les frères Gaulois auraient pris part au meurtre de Shadia. Et pourquoi sont-ils à la solde du crocodile? Où accéder à la reine pour le savoir? Le propriétaire a parlé d'une gladiatrice de Siwa à l'est de l'obélisque. Peut-être que je la connais. Siwa n'est pas grand. Je ferais mieux d'aller voir. On va aller voir. Ce serait rigolo que ce soit sa femme. Oh, hors de mon chemin, ouais. Par tous les dieux. Ici, je suis chez moi. Je suis chez moi partout. Même chez les autres. Je suis l'Égypte. Faut que je trouve l'entrée. Hein. Faut que je trouve l'entrée pour aller chercher les coffres. Là. Moi, j'aime le pognon. J'aime le pognon et j'aime les armes légendaires. Ils vont pas me voir. Regarde, hop. Into, on enchaîne. Ah, ça va marcher. Oh, bien joué. Mais en vrai, le combat à l'épée, c'est ce que je préfère. Hein. Ok, un arc qui me donne des dégâts en plus, et un autre qui est exactement le même, mais avec un dégât de moins. Après, c'est pas plus mal. Tech. On va améliorer ça. Dégâts à distance. Hein. Dégâts à l'arc. Qui peut être utile vu qu'on manque un petit peu. On one shot plus les adversaires depuis un moment. Enfin, dans la dernière vidéo, on one shotait pas. Ce qui m'a fait mal au cœur. Bonjour, bonjour. Montrez-moi vos vêtements. Non, on va pas l'acheter. J'ai hésité, mais en vrai, c'est pas terrible comme vêtement. Ouais, non. On peut améliorer notre arme, sinon. Ça, c'est un peu cher. Hein. La plus 14. 5000 l'amélioration pour la mettre niveau 32, du coup. Bon, allez. Voilà cette femme. Mais on dirait. Non, c'est pas sa femme du coup. Personne ne nous aura. Madame ? Prospérer, hein? Mais je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. Ha 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 ha!
Il a vite perdu son sourire quand même. Hein. Ah, Bayek, mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de l'arène. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein? C'est pour ça que je suis au Fayoum, pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de l'arène. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts? Bien, c'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons. Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Ah, je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. Moi aussi, je suis heureux d'être ici. Mais comment ils font pour avoir... Attendez, arrête de bouger. Vous savez les traces là qu'elle a sur ses bras là. Les traces comme ça. Parce que c'est pas des tatouages. C'est directement sur la peau. Dans la peau? C'est peut-être des tatouages en vrai. Bah, en fait, faut aller là-bas. Vas-y, viens, suis-moi. Bah, en fait, le problème, c'est qu'elle m'a dit de la suivre. Bon, tant pis. On va faire confiance à l'indicateur de quête, quoi. Ah, beau bébé, ça. Se repose. T'es gentil? Je vois que t'as un collier. Bah, c'est un beau bébé, hein. Bon, il a l'air très passif pour un croco. Partez, allez. J'allais vous ignorer, mais tu m'as dit de partir, du coup je te tue. C'est un principe. Moi j'ai des principes, hein. Ne provoque pas le scarabée. Sinon le scarabée va t'enculer. Quoi? C'était pas ça la phrase à la base? Pardon. Ne provoque pas le scarabée, sinon le scarabée va te piquer. C'est un peu mieux. Afin d'assurer un peu moins grossier. Tout ça, Crocodilopolis, la ségrégation entre communauté grecque et égyptienne. Oh! Iviodil! Ah, j'ai hâte de faire mes premiers combats dans l'arène. Chauveman. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Ibère a été mis en pièces par des lions. J'ai peut-être une place pour toi, et si Kensa se porte garante. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous des guerriers de Siwa? Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu pire. Allez, entrez. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène. J'ai pas besoin qu'on me protège. J'apporterai la paix à tes guerriers. C'est probablement ici que tu mourras. Tâche de le faire avec panache. La foule adore ça. Si par ouais, moi aussi j'adore ça. Combat, t'auras droit à la célébrité et à la gloire. Et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs. Brève mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là? Ah, voilà Callistos. Callistos, ancien soldat de Ptolémée, qui prétend savoir se servir d'une épée. Horus, il a été mon meilleur combattant, mais là je n'épargne personne. Aujourd'hui il ne vaut plus grand-chose, alors il entraîne les débutants. C'est une armure de l'armée de Ptolémée? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une. Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures, et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donnerai. Je ne tolère aucune exception. Tu connais déjà Kensa, c'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes.
Bayek. En quoi elle était suspecte? Crocodilopolis accueille un nouveau champion. Ou un autre gros tas de viande en sursis. Je veux savoir s'il sait se battre. Pour en juger, qui de mieux que la grande spécialiste qui l'a recommandé? Qu'en dis-tu? Tu es prêt à faire teinter ta lame, vieux Medjay? Voyons si tu as fait des progrès. Ouf, elle démarre au quart de tour. Oulé, ça dégage. Tu es vicieux à souhait et plutôt efficace pour un champ des sables. D'accord, Kensa. Tu as un nouveau partenaire. Les portes ouvriront bientôt. Soyez prêts. Par contre, on fait un combat d'entraînement, mais avec des vraies épées. Les miettes que Félix va jeter sur l'autre passage. Ce sera une pitance bien maigre, frère. Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire, les frères Gaulois. J'en ai entendu parler. Ok, faut juste lui parler pour... Tout va bien, mon ami? Tu as l'air distrait. Ne t'en fais pas, tu te sentiras beaucoup mieux après le premier combat. Je vais très bien. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu es venu ici. Ça, c'est une longue histoire. J'ai été réduite en esclavage du temps où Ptolémée régnait à Siwa. Une crapule du nom de Septimius et son clan de voleurs avaient des vues sur moi. J'ai réussi à m'emparer d'une épée et à m'enfuir. Je suis arrivée ici et Félix a accepté de m'entraîner. Mais on a assez parlé du passé. Si tu savais comme je suis heureuse de te faire profiter de cette occasion, bientôt la foule te vénérera. Presque autant qu'elle me vénère. Plus d'ailleurs. Oui, oui. Ensemble, nous fendrons le soleil de nos épées. C'est ce que j'aime entendre. Allons dire à Félix que nous sommes prêts à nous battre. Plus tôt nous commencerons, plus tôt nous serons champions. Bon allez, hein. On y va. Allez, chaud bouillante. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. Deux guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Alors ne décevez pas la foule. Ni moi. Bon. Si on te déçoit, tu seras pas déçu longtemps vu qu'on sera mort. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est l'avantage de... C'est leur sang qui réclame ou le nôtre. Peu leur rapporte, il n'y a pas d'innocence. Ne retiens pas ta lame. Ils m'ont remplacé mon épée. Ne hein. Pas. Tous ceux qui battent connaissent les risques. Tu es vite habitué à cette nouvelle vie. Il suffit de les regarder. Ils m'adorent, Balai. Bam. Les hommes, les femmes. J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Pas mal. Bandits des sables ont plus de mordants qu'ils en ont l'air. Laissez ma collègue en vie. Bien joué. Continue comme ça, mon ami, et nous attirerons le regard d'un riche mécène. Et ensuite? Ensuite, un autre monde s'offrira à nous, mon ami. Les meilleurs gladiateurs sont envoyés en mission spéciale et gagnent plus d'argent que tu pourras jamais en dépenser. Alors faisons en sorte qu'ils nous remarquent. Bon, je bourre. C'est le bourrage de l'extrême. Et voilà. Elle est pas mal l'épée en vrai. Elle est très simple et ça me plaît. Talent les mènerons.
J'ai eu une idée de génie en associant deux nigos comme vous. Deux nigos. Je te l'avais dit qu'un destin grandiose nous attendait. Grandiose? Doucement, doucement, ma petite fourmi. Il vous reste un long chemin à faire. C'est un bon début, mais vous devez progresser. Vous n'affronterez pas les frères Gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de novices. Pour être franc, j'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter? Par le sang des dieux, toi aussi? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Je les affame depuis des jours. Vous serez leur dîner. Venez me voir quand vous serez prêts. Bah, on est prêts. Si Kensa dit vrai, le crocodile a pu engager n'importe lequel de ses gladiateurs. Je trouverai... Nous sommes sur la bonne voie. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces Gaulois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup. Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu m'as parlé? Oh, Bayek, le justicier, serait prêt à se salir les mains? Les temps ont changé, Seni. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjay éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix. Mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères Gaulois. Comme si j'avais besoin d'une raison pour égorger les meurtriers de Shadia. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs. Et même si subtilité sur 20 ans. Hein. T'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Ton travail, espèce de chien galeux, c'est de te battre. Rien plus. L'or se gagne dans l'arène. Il se gagne pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Le propriétaire de l'arène de Sirène s'intéresse à vous. Offrez un bon spectacle, on en profitera tous. Alors pour rappel, Shadia, c'est la petite fille qui a été tuée dans l'épisode précédent. Du coup, bon, on est aussi là pour la venger. On se bat souvent contre des lions. Seulement quand Félix en a. Il coûte bien plus cher que les hommes. Eux, ils ne manquent pas. Il n'y a aucun honneur à tuer des animaux. C'est vrai. Tuer ou se faire dévorer. De toute façon, ils sont en cage. Tout y est bien. Du moment qu'on ne libère pas. Ouais, ils vont être libérés, hein. Je sais pas pour vous, mais moi les lions, j'aime tellement les lions que possiblement quand je vois un lion tuer une gazelle, bah, ça me fait sourire quoi. Je suis là en mode oh, c'est adorable. C'est terrible, hein. Il n'y a pas de règle dans l'arène. Boum. Après, je préfère les lions parce que j'aime pas tant que ça la crinière des lions. J'aime beaucoup les jaguars aussi, les panthères. Moi, en fait, j'ai un problème, j'aime bien les chats. Du coup, pour moi, un lion, c'est un gros chat. Un gros chat de... d'une demi-tonne. Je dois en rajouter un petit peu, hein. Je pense pas que ça fasse une tonne un chat. Enfin, un lion. C'est tout? Bah ridicule, hein. Bon, il a l'air heureux. Les gardiens de Siwa ont de nouveau gagné. Les frères Gaulois seront-ils les prochains? Allez, donne-moi les frères Gaulois, là. Où est Kensa? On a besoin de ses talents ailleurs, aujourd'hui. Tu vas devoir te battre tout seul, cette fois. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Les combattants trop curieux ne vivent jamais très vieux. C'est un métier qui peut être dangereux. Il y a des accidents. Je ne demande qu'à faire mes preuves. Alors gagne ce combat. T'auras ta chance face aux frères.
Si tu les bats, on te remarquera. Ça va s'en tirer. Par Anubis, il faut que je gagne. Bah oui, il faut qu'on gagne à tout prix. Mais à tous les coups, on va affronter les frères Gaulois, mais en 1v2. Hein. Où lui ? Ah, bien joué. Ou alors on va les affronter un par un. Genre on affronte le premier. On verra bien. Où lui ? Ah, je voulais taper le gros. Dommage. T'avais des doutes? Je porte mon équipe, mon gars. Dommage. Ah. Moi, je pensais qu'ils avaient l'œil pour détecter les grands guerriers, quoi. Mais en fait, ils ont du caca dans les yeux. C'est dommage. Grand guerrier jusqu'à ce qu'il tombe sur un mec avec un gros bouclier quoi. Et hop, ça dégage. Allez, vague suivante. Ouvre les yeux, Crocodilopolis. Assisteras-tu à l'ascension d'un nouveau prétendant? Les frères Gaulois garderont-ils leur couronne? Ouf. Oh là là. Fais pas ça, je suis marié. Désolé de t'avoir laissé seul. C'est rien. Félix t'avait confié une tâche. Pour le compte de qui? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. Elle va être déçue à un moment donné. Hein. Quand elle va se rendre compte que bah, je suis là pour la justice, quoi. Et pas pour me faire du pognon. Tu t'es bien débrouillé pour un petit rat du désert. Votre heure est venue. La foule en a assez de voir Viridovix et Diovikos écraser leurs adversaires. Je compte sur vous pour renouveler sa ferveur. Encore une chose. Pas de mort. Je tiens à garder mes 4 meilleurs combattants en vie. J'ai donné le même ordre aux frères Gaulois. D'accord, nous ne te les tuerons pas. Mais pour ce qui est des souffrances et de l'humiliation... Ça y est, Bayek. Ok, bah, un ordre de ne pas nous tuer dans une arène, c'est vraiment débile. Hein. Et on inscrira nos noms dans les temples. Vas-y. Je pense qu'il a pas donné le même ordre aux autres. Voici les prétendants. Oh putain, bordel! Oh la force qu'il a lui! Quoi? Il mange du sable? Mais il va pas vivre longtemps le con!
Bon, c'est du 2v2. Oh, la faux, elle est stylée quand même. Bon, là, faut focus. On va focus le gros. Qui met des patates dans la bouche. Ouli. Occupe-toi de l'autre. Essaye de l'occuper le temps que je tue. Dio Vicos. Oulé. Ah, bien joué. Ah, aide-moi, aide-moi. C'est bon. Et un de moins. Il est pas mort. Hein. On a reçu l'ordre de pas les tuer, mais... Laisse-le se recueillir un petit peu. Dit-il en lui mettant un gros coup d'épée dans le dos. Bam. Bam. Il est en train de jouer avec moi là. Enfin, il est en train de nous prendre tous les deux, hein. C'est ridicule. Oulé. Allez hop, ça dégage. Est-ce qu'on les a tués ou on les a épargnés là? J'arrive pas à me rendre compte. Bon, ils sont en vie. Crocodile ! Les frères Gaulois ont été vaincus ! Tu as tué la petite Shadia ! Vous méritez au moins la mort ! Petite près du phare ! On l'a pas tué ! Je le jure ! Nous avons fait des choses terribles, horribles ! Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite. Saluez les nouveaux champions. C'est vrai. Siwa. Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Berenike. Oh, au crocodile. C'est elle qui a noyé l'enfant. Elle a pris un livre, puis elle a ordonné qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau. Nous, on n'a rien pu faire. C'est pour ça que tu es venu à moi, n'est-ce pas? Pour démasquer cette mécène. Ce crocodile. Bayek, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, hein? J'aurais pu t'aider. Tu es une mercenaire, alors, tout comme eux. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel sera le sort des vaincus? Non. Vont-ils vivre? Bayek. Ou mourir? Tu me connais mieux que ça. Mourir. Bayek, il faut que tu saches. Que je sache quoi? Il faut que tu saches. Bon, bah on va sache plus tard. Je sache, tu saches, n'est-ce pas? Je sais que c'est savoir. Je sais, tu sais, etc, etc. Blablabla. Je meurs. Je meurs, je meurs. Ça, c'est une vieille morue, le crocodile. Ainsi, c'était Berenike. C'est elle, le crocodile. C'est elle qui a tué Shadia. Qui a causé la ruine de tant de gens. Elle se voit comme une bienfaitrice, la source de la prospérité dans le Fayoum. Et son influence s'étend à toute la région. Elle tient sa richesse de son domaine au nord de la ville. Le grenier de Gergesusha, le plus grand de toute l'Égypte. Elle a tissé des liens avec d'autres personnes influentes du Fayoum. Chaque soir, elle se retire dans sa villa, où elle achète leur faveur par des cadeaux et des flatteries. Alors c'est là que je la trouverai. Je te remercie pour ton aide, mon ami. Que vas-tu faire maintenant ?
me retirer dans notre villa. J'ai besoin de boire. Genut et moi devons faire notre deuil. À bientôt, Bayek. Quand tu auras fait ce que tu dois faire, nous aurons plaisir à te revoir. Arène de gladiateurs, ok, on peut y retourner. Mais est-ce qu'on peut lui reparler surtout Comment elle s'appelle déjà? On l'a déjà oublié. Comment tu t'appelles déjà toi? Elle passe la nuit à la villa, ok, là-bas. Là-bas, c'est loin. Je pense qu'on va faire un petit bout de route. Tac. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit la vieille. Bonjour, je m'attends à pas grand chose, hein, comme vous pouvez le voir. Au revoir. Au revoir. C'est quel niveau cette région? Ok. Ok, il n'y a qu'un trésor, il est là-bas. Ne bouge pas. Il a été tué par le serpent, lui. Je pense qu'on va... On va pas faire la quête principale maintenant. Je pense qu'on va juste... Il y a combien, lui? 35, ok. On va juste prendre ça, ça, et peut-être se finir sur la colline. Comme ça, c'est dégueulasse. Bon, alors lui là. Une flèche. Une deuxième. Donne le loot. En vrai, je serais curieux de connaître un peu le prix des chevaux à une époque comme celle-ci. Honnêtement, ça devait être un prix assez exorbitant. Parce que bah, déjà, ils avaient une valeur très élevée, quoi. Ça a l'air d'être une belle ville là en face. C'est plus une villa, j'ai l'impression. Mais ça a l'air beau. J'ai toujours aimé les arbres un peu comme ça. Je suis pas du tout allé là où je voulais aller, mais c'est pas grave. Thank you.
Tadadam. Ouais, c'est une belle baraque, hein. Je pensais qu'il pissait dans le champ, lui. Je pensais vraiment qu'il était en train de pisser, quoi. Genre en mode, bon, j'arrose les fleurs, là. J'arrose le maïs avec mon tuyau d'arrosage. Et en fait, non, ça va, tout va bien. Les gens sont un peu plus respectueux que ce que je pense. Tant mieux. Les gens ont un minimum de respect, quoi. Alors que moi, dans ma tête, wow, le respect est mort depuis longtemps. Ah, la colline qui se déplace, mais pas là où j'aimerais. En vrai, autant me téléporter là, non? Il se dirige vers la ville, en vrai. On pensait que l'âme des morts s'élevait pendant la journée pour regagner le corps momifié la nuit. C'est une théorie intéressante en vrai. Genre tu meurs et tu peux te balader en espèce de fantôme impalpable et invisible un peu partout. Moi je trouve ça intéressant. Moi ma théorie c'est que une fois que tu meurs et il n'y a plus rien. De toute façon, on peut faire que des théories, hein. On peut pas affirmer c'est comme ça, point final. Du coup, c'est pour ça que... Enfin, pour moi, on ne peut pas le confirmer. Après, il y a des gens qui ont peut-être la divine conviction que ça se passe d'une certaine façon. Du coup, moi, même si je suis non-croyant, je ne vais jamais critiquer quelqu'un qui croit. Parce que, sur un malentendu, malentendant, il a peut-être raison. Mais pour moi, il n'y a rien après. Ce qui est... qui donne encore plus de valeur à la vie, quoi. Viens te battre. Ouais, c'est moi le Medjay. C'est un archer? Ah non. Pourriture. De la pourriture qui dit pourriture à une autre. C'est beau. Et voilà. Éradiqué. Bon, une hache, c'était prévisible. Est-ce qu'on l'équipe la hache? En vrai, on se sert pas de la lance, du coup, pourquoi pas. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et à très bientôt pour la suite.